Reviens, on va aller chercher Ange Lucie. Ok, pas de soucis. Ah, oh, salut les garçons, c'est vous. Salut. Salut Ange Lucie. Tu viens avec... Ouais, nickel. Ça va. Tu viens avec nous, on a essayé de joindre Benja et Necros, mais ils m'ont passé les sous là pour la réservation. Ah, on va à l'agence. Ouais. On y va. Allons-y, allons-y. En plus, ça s'est marqué agence de vacances mortelles. Ça, ça va être génial. C'est un logo, qui sonne bien, ça. Bizarrement. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. En fait, on vient vous voir parce que, on aimerait partir en vacances, mais dès demain. Et comme on n'a pas pu s'arranger autrement... Bah, c'est un peu dernière minute quoi. Donc, on voulait savoir. C'est pas forcément facile. Voilà, et puis on va savoir si c'était possible quoi déjà. Ok, je vais regarder vite fait. Je crois que oui, j'aurais peut-être deux options pour vous. Mais je crois que vous êtes du coin. Oui, on habite juste à côté en fait. Ok, parce que ma première option au fond c'était pour le week-end ici en ville. Il y a des chambres de libre. Sinon, un petit chalet en montagne. Ouais, le chalet. Isolé. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, parce que la ville on connaît quoi. Je veux dire, on est vraiment du coin. Donc, ouais. L'air pur. Face. L'air pur, le calme. On sait qu'il y a des trucs sympas. Attendez, je vais la récupérer. Ah ouais, là c'est autre chose. Et c'est nature complète. Hein. Je sais pas si t'arrives à voir. Tiens, regarde. C'est très bien. Au moins, vous décollerez de vos ordi. Allez, les gars! Allez, dépêche-toi, Coton, on va être en retard! Attendez-moi! Putain, y'a Benja qui est encore en retard! Putain, c'est pas vrai celui-là! Ah, mais comme d'habitude, il a qu'à faire plus de sport! Allez, Benja, là, grouille-toi, le train il va partir! Ah, c'est bon, je suis là, tu vas te calmer! Putain, c'est de la balle ça! Allez, on va aller en vacances! Ouais! Vive les vacances, les mecs, on va s'éclater! Bon, les gars, écoutez, sur le plan, on devrait pas être très loin! Par contre, pas de chance quoi, il pleut quoi. Ça commence bien les vacances. C'est bien joué. Normalement, on suit le chemin qui est là, puis on devrait être arrivé. Par contre, pourquoi c'est Koto qui ouvre la marche? Parce que c'est moi qui ai le plan. Mais mec, tu te perds. Putain, ça avait pas menti hein. Mais le petit beau petit chalet. Hein. Ah, c'est vraiment pas mal. Eh, Lucie, tu nous fais quoi bouffer ce soir? Regarde la cuisine quand même. T'as de quoi faire un truc sympa là. Ici, il y a un lit de place. Eh les mecs, il y a un Uno. Vous allez vous calmer. On pourra se faire un Uno ce soir au pire. Aïe, par contre, il y a qu'une chambre, hein. On va être serré. Ouais, mais t'inquiète, il s'est marqué, il y a les banquettes, ils font lit. Il y a largement assez pour nous tous. Puis on va pas se plaindre. Hein. Ouais, tu nous tiendras. Non. On va passer une petite semaine tranquille. Moi je dors sur l'armoire. Ouais, y a des. Elle est stylée la douche. Le placard. Moi je dors là, t'es pas chier. Fais voir le placard. C'est là que j'irai pêcher de temps en temps dedans. Ah ouais, pas mal. Faut limite se coucher sur les étagères. Et donc pour finir l'histoire, la dame, en fait, la dame en rouge, et bah c'est elle qui avait tué tout le monde. Ah, vous en pensez quoi? Ça fait flipper quand même, hein! Moi, je sors plus jamais de cette maison. Ouais! C'est pas bon, sinon, je vais faire un tour, moi. Ah, bah bon, ouais, c'est ça, hein! Se raconter des histoires d'horreur entre potes, hein! Tu crois que c'est quoi? Faut que ça fasse peur, hein! Attends, tu veux sortir avec ce temps, on écoute? Ciao, les petits doigts demain! Ouais, moi, ce qui me fait. Bonne nuit, Lucie! Ce qui me fait vraiment peur, c'est d'aller voir le cimetière. Ah, ouais. Vient d'arriver. On va faire ça demain. Vous avez peur d'après ce que je vois? Non, c'est pas ça, c'est qu'on est crevé, t'as vu le voyage qu'on a fait aussi. Bah dites-le, vous avez peur. Non, moi franchement je suis pas. Demain si tu veux, sans problème, mais pas ce soir. Ouais, puis faut que j'aille pisser, moi j'y vais. Ouais, écoute, fais ce que tu veux, mais fais gaffe quand même quoi. Il y a peut-être des gens qui rôdent. Salut!
Ah, il fait bon dehors. Allez. C'est quoi ça? Eh oh, c'est qui? Oh. Allô toi. Ah les mecs, vous trouvez pas qu'il met un peu de temps les crosses là? Bah ouais. C'est bizarre quand même, ça fait 2 heures qu'il est parti pisser. Ah ouais, c'est con, il est parti se taper une queue là. Bah j'en sais rien, mais... Avait l'argent, hein. Ah c'est bizarre, ça vous dirait pas qu'on aille quand même le chercher? Je me souvenais pas qu'il y avait un bar à pute dans le coin. Mais... Je suis pas trop chaud, moi. Bah... Attends. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive, hein? En même temps, ouais, c'est vrai, il a pas tort. Bah vas-y, on est des bonhommes, alors on y va. Ouais, on est des bonhommes, on va aller le chercher parce que là, c'est bizarre quand même. Vous avez vu par où il était parti? Ouais, il est parti par là tout à l'heure. Attends. Par le sentier, je crois. Bien, je crois que c'est plus par là qu'il est parti, hein. Ouais, sûr. Je crois que c'est par là. Viens, Benja, reste avec nous, s'il te plaît, parce que. Ouais, j'arrive. C'est jamais, tu vois. Ouais, je m'en fous, moi, je mets des droites, moi. Je suis un boxeur. Ouais, lève-toi. Oh, oh, dégage. Hey, je t'ai dit de te lever, salope. Mais t'es qui? Toi? Moi, on s'en fout. Ferme ta gueule, tu vas me suivre. Mais non, je suivrai pas, vous êtes arrêtés. Non, non, tu me suis. Ferme ta gueule. Non. Il pense. Ouais. Mais vous êtes pas, lâchez-moi. Au secours, les garçons. C'est ferme ta gueule. Ta gueule, avance. Avance, Calis! Espèce de taré! Mais. Ah ouais! Putain! Ah ouais, descends en bas! Descends en bas, je t'ai dit! Mais. Putain! Bon, reste là, ferme ta gueule! Espèce de taré! Mais c'est quoi cet endroit? Les garçons, au secours! Putain, les mecs, quand même, ça fait 4 heures qu'on cherche là! Ouais, je trouve rien au-dessus là! Je sais pas non plus! Putain, c'est bizarre quand même! Franchement, je sais. Eh hey, merde, c'est quoi ça? Oh. Mais les gars, venez voir! Oh putain! Putain, c'est flippant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, je te l'avais dit, il y avait des loups. Eh, mais c'est. Ça appartient à Nécros, ça! Eh, je suis pas fou, quoi! Oh! Ah putain, c'est chaud! Tu fais tuer la queue en l'air! Putain, c'est chaud, putain, faut vite rentrer là! Y'a un problème là! Ah putain, c'est quoi ce truc de fou? Et j'espère qu'il est rien arrivé à Lucie. Faut que je chope le portable à Lucie. Oh les gars, la porte elle est ouverte. Comment ça? Oh putain, merde. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'avait peut-être pas fermé. Putain, mais fermez-la. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je passe. Allez, on rentre toutes, tranquille, hein, doucement. Prends des couteaux dans la cuisine. Vas-y. Passe-moi ça, là, s'il te plaît. Passe. Merci. À 3, 1, 2, TARGE! Putain, elle est pas là, merde! Elle est partie pisser? Putain, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Mais non, t'es con, y'a même pas de blessé. Non, mais c'est quoi cette baraque de fou là? Attends, elle est où? Elle est pas aux chiottes? On était bien venu avec Lucie quand même. Ah ouais? Mais c'est un truc de fou ça! Attends, Nécros s'est fait tuer? Et Lucie a. Elle a disparu. Et les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a un téléphone sur lui? Bah non, Lucie avait... Non, j'ai de la bouffe, moi. Lucie avait le téléphone satellite, là. Il n'y a pas de réseau, ici. Ah putain, on est dans la merde. Moi, j'ai même pas de téléphone. J'ai plus de batterie. J'ai oublié mon chargeur. Ouais. Moi, j'ai juste des côtes de port. Et les mecs, on fait quoi, là? Faut absolument qu'on retrouve Lucie, là. Moi, je dis... On se sépare. Non, c'est pas une bonne idée. Je suis pas sûr, mais... On fera plus de terrain. On a qu'à rester à portée de voix. Ouais. Si jamais y a un problème, on se met à siffler, d'accord? Ok. Donc, qui va où? Je vais là où Nécros était. D'accord. Moi, je vais surveiller un peu toute la baraque dans le coin, des fois qu'elle revienne. Et
Oro, toi tu pars avec Benja. Vous vous séparez pas, hein, d'accord? Ok. Bon, vas-y, vas-y. Eh, dépêche-toi, Benja. On va chercher Lucie. Ouais, attends, moi je ferme la porte. Elle a disparu comme ça sans crier gare. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devient vraiment bizarre ce week-end. On était parti pour des vacances tranquilles et on se retrouve coincé en plein milieu d'une forêt merdique, sans éclairage, sans wifi, sans rien. Bon, j'étais d'accord au début, tu vois, pour qu'il se passe quelque chose, tu vois, qu'il n'y ait pas de wifi. Peut-être qu'avec Lucie, il y aurait eu un petit rapprochement, on sait pas, un truc comme ça. C'est au coin du feu, on sait pas. Hein, t'en penses quoi? Là? Et où se couille? Benja! Oh putain, merde! Allô? Putain, c'est vraiment un truc de malade ce qui arrive, je comprends pas. Déjà, on a Necros qui est parti pisser et on retrouve sa tête sur le sol, assassiné. Lucie qui a disparu de cette maison. Je sais pas quoi faire. J'espère que les mecs vont bien parce que là, c'est vraiment un truc de fou ce qui se passe ici. En tout cas, ces vacances, c'était peut-être pas une bonne idée. Eh, mais il y a une cave ici. Ah, Lucie, réveille-toi! Réveille-toi! Kotoro, qu'est-ce que tu fais là? Ah putain, j'ai cru que t'étais morte. Il m'a kidnappé, il m'a enfermé ici. C'est l'horreur, comment ils vont les autres? Bah j'en sais rien, Necros a été tué, et franchement, mais c'est qui ce taré, sans déconner? Et c'est pas ce qu'il nous veut. Il flotte, ouais, c'est... Ah putain, mais dégage! Lucie, casse-toi! Casse-toi, casse-toi! Ah! Ah putain! Ah! Vite, barre-toi, barre-toi! Je vais pas te tenir longtemps! Ah! Espèce d'enfoiré, d'enculé de merde! Ah! Ah, je vais mourir! Ah! Ah la salope! Carrément, t'as fait! Ah, sacré! Bast! Salope! Enviez!